C'est tout à fait normal. Ça fait partie du développement psychologique de chaque femme. Tu ne comprends pas. Je ne trouve pas ça tellement normal. Et pourquoi? Disons que Jenny est un peu trop émancipée par rapport à son âge. Come on, Don. Let's go swimming. Nah, water's too cold. I think maybe I'll go. You know, sometimes you can be a real wuss. I just don't feel like going in. Hon. What? I have to go to the bathroom. Go ahead. Won't you walk with me? Don, I'd be happy to escort Jenny back down. All right, let's go. Pas idiot, on pourrait nous voir. Allez, viens. Ici? Oui. Ici. Ici. Non. Là-bas. Dans ce cas, ne mets plus les pieds par terre. Thank you.
regarde-le. Il se concentre. Attention, il va frapper et... Oh! Si pour une fois il allait dans la bonne direction, ce serait bien. Ouais. Ah, autour du mien. On va passer la journée à chercher des balles dans les sous-bois. Ouais, ça va pas être la fête. Allez. Joli pote, Kelly. Ça vous met à deux en dessous du par. Ah, au fait, le par est à combien sur ce trou? Il est à 4. Alors, ça me met à combien? C'est parfait, à 99. C'est vrai, c'est la première fois que je descends en dessous de 100 depuis que je suis le propriétaire de ce golf. Merci pour la leçon. Demain, nous essaierons de faire le parcours complet. À mon avis, vous pourriez très bien disputer la compétition de la semaine prochaine, vous savez. Oh non, je laisse ce genre de distraction à ma femme. Je suis plus doué pour tout ce qui est organisation. En ce qui concerne cette compétition, oui, j'ai des idées sur la façon de mettre au point le tournoi. Je suis ravi que vous y fassiez allusion. J'avais envie de vous en parler depuis un petit moment. Pourquoi ne pas retourner à mon bureau? C'est vraiment difficile à dire. Je crois que j'ai une préférence pour votre manche. Eh bien, celui-ci est un manche en graphite et je pense que vous auriez une meilleure frappe. Ça, je n'en doute pas. Et lorsque le tournoi commencera, on aura besoin de tout le monde. Oui, vous avez sans doute raison, Kelly, et nous en discuterons dès que j'aurai le temps. Alors, Montenormand, es-tu content de ton parcours? En tout point merveilleux. Tu vas taper quelques balles, Béatrice? Oui, il faut que je m'entraîne pour samedi. Alors... Bien, bien. Kelly, si vous alliez m'attendre dans mon bureau, je vous y rejoins tout de suite. Monsieur Osgoode, la police vient de téléphoner. Il y a un groupe de jeunes gens qui a disparu dans la matinée. Excusez-moi. Enfin, bon sens, c'est une propriété privée. J'ai dit aux flics d'interdire l'entrée à ces jeunes. Encore s'il s'agissait d'enfants de membres du club. Excusez-moi, monsieur. Non. Oh, Roy. Roy, soyez le bienvenu parmi nous. Je suis ravi de vous voir. Merci. Roy, je vous présente ma femme Béatrice. Voici Roy. Kent. Roy, Kent. Je suis depuis toujours une de vos ferventes admiratrices. Enchantée, madame. Je suis encore plus enchantée que vous. Et voici mademoiselle Kelly Lange, qui sera votre assistante. Excusez-moi, Kelly, je n'ai pas eu le temps de vous prévenir. Roy est le nouveau professeur du club. Et monsieur Osgoode, c'est le responsable des greens, il y a un problème. Oui, j'arrive. Roy, voulez-vous m'accompagner? Nous allons régler ce problème, après quoi Kelly vous fera visiter les lieux. Monsieur Osgoode, c'est la police, ils disent que c'est urgent. Vous le savez, monsieur Osgoode, Harry et moi, on commence toujours par les greens. Ensuite les fairways, et on garde les bunkers pour la fin. Harry s'occupe de la fin du numéro 9 et moi du départ. Mais en fait, aujourd'hui... Oui, excusez-moi. Il faut dire que j'ai fini plus tôt, que je m'apprêtais à rejoindre Harry, et... Enfin, voilà. C'est horrible. C'est vraiment monstrueux. Je ne peux pas. C'est vous le chef maintenant. Qu'est-ce que vous allez faire? D'abord boire un verre. Ça va, merci, vous. Ça va. Roy, vous cherchez. Roy, je voudrais vous présenter le chef de la police, Charlie Kimmel. Charlie Kimmel, voici Roy Kent, notre nouveau professeur de golf. À ce propos, vous pourriez améliorer le drive de Charlie. Alors, où en êtes-vous? À quel propos? Le meurtre de ces deux jeunes. Oh, ça! Eh bien, Charlie a l'affaire bien en main, n'est-ce pas, Charlie? Bah, de toute évidence, c'est le fait d'un malade mental. Ces types-là ne sont pas difficiles à retrouver. On ne se balade pas avec des corps humains découpés en morceaux sans se faire remarquer. Alors, quel est votre plan?
Cette affaire n'est plus de notre ressort. En revanche, nous nous devons de ne pas l'ébruiter. Occupons-nous du tournoi qui a lieu pendant le week-end. N'oubliez pas qu'il y aura la télé. Kelly, venez donc par ici boire un verre avec notre ami Roy. Vous n'avez pas fait connaissance dans les meilleures circonstances. Je vous laisse. À plus tard. Vous n'avez pas perdu vos habitudes? Quand je pense aux joueurs que vous étiez, un des drives les plus purs que j'ai jamais vus. Je croyais que vous faisiez partie du circuit de Floride. Vous savez, les choses évoluent. Roy, je vais être honnête avec vous. Je devais avoir votre place. J'espérais bien être la première professionnelle à enseigner le golf dans ce club. Je pense le mériter. Oui. Mais les choses évoluent. À moi d'être honnête avec vous. Je ne sais pas ce qu'on vous avait promis, mais je suis le nouveau prof. J'ai eu une journée difficile et j'ai mal à la tête. Je peux vous offrir un verre? Non, il n'en est pas question. Moi, j'ai encore à faire. C'est pas vrai. Toujours un peu trop sur la droite. Quel est le numéro de ta balle? Papa, tu n'as pas vu ma balle? Je me souviens d'une époque où vous ne manquiez jamais un putt à cette distance. Simpkins, Malcolm Simpkins, vous ne pouvez pas savoir avec quel plaisir j'ai appris que vous aviez été engagé dans notre club. Merci beaucoup, monsieur Simpkins. Non, Mal, appelez-moi Mal. Je vais vous dire, je me souviens d'un tournoi que vous disputiez à Atlanta en 72. Je n'oublierai jamais l'eagle que vous avez fait au 13e trou. Vous avez regagné plusieurs places. Vous avez pris la tête et remporté le tournoi. Oui, c'est vrai. Eh bien, il est temps que je m'y mette si je veux faire mes 9 trous avant la nuit. Vous commencez tard, vous ne croyez pas? Oh non. C'est la meilleure heure pour jouer. Tout est paisible. Personne sur le parcours. Au moins, je n'ai pas à m'inquiéter des gens qui jouent dans tous les sens. Je suis ravi de vous avoir rencontré, Roy. J'espère avoir l'occasion de vous revoir. Mais je l'espère aussi, monsieur Mal. Allez, viens, Caddy. Je me sens très en forme. Si je joue bien, on fera peut-être un peu plus de 9 trous. Tu as vu, Caddy, mon épaule était trop en avant. Ah, cette fois-ci, c'est plutôt mieux, tu ne trouves pas? Désolé. Cette fois, je vais avoir besoin de ton aide, Caddy. Allez, suis-moi, Caddy, allez. Non, Caddy, tu ne vas pas te fâcher pour une balle dans les broussailles. Allons, vite. Décidément, tu me feras toujours tourner en bourrique. Il est pourtant gentil, ce chien. Pas moyen de lui faire chercher une balle de golf. Incompréhensible. Ça fait 43 ans que je joue et je n'arrive toujours pas à frapper droit devant moi. Alors, où est-elle allée se cacher, cette balle? Ce genre de problème ne doit jamais arriver à Roy Kent. Qu'est-ce que...
Bonsoir, Roy. Bonsoir. J'espère que vous avez des glaçons. Faites comme chez vous. Boris, le barman a déjà découvert quelle est votre boisson préférée. J'ai pensé être la plus à même de venir vous souhaiter la bienvenue. C'est une bénédiction d'avoir ici un homme comme vous. Nous n'avons pas eu d'homme véritable depuis tellement longtemps. Merci beaucoup, Madame Osgood. Ah, je vous en prie, Bee. Les gens que j'aime m'appellent Bee. À votre santé, Bee. À nous. Alors, que pensez-vous de notre parcours de golf? Les bunkers y sont de véritables pièges. Ça a dû être imaginé par un malade mental. Que pensez-vous du personnel? Et pas de temps. Je crois que Kelly et moi finirons par être complémentaires, peu à peu. Oui, Kelly. Kelly est depuis déjà longtemps à notre service. C'est la seule femme qu'a dit que nous ayons jamais eue. Elle s'occupait de mes clubs au début, jusqu'à ce qu'elle devienne un peu trop sûre d'elle-même. Ça pour vous dire que Kelly est une femme ambitieuse et il me déplairait que... Enfin, tenez-vous-en avec elle à un plan strictement professionnel, vous voyez ce que je veux dire. Après tout, il me déplairait de vous voir repartir sur cet affreux circuit en Floride après avoir enfin réussi à persuader mon mari de vous engager ici. J'espère que je ne vous dérange pas. Ah non, non, pas du tout. Nous sommes partis sur de mauvaises bases ce matin. Je prends tout tellement à cœur. J'ai compris que vous n'étiez pour rien dans la décision de Monsieur Osgood. Merci. Je me réjouis à l'avance de travailler avec vous. Tenez, c'est pour fêter votre arrivée. Merci. Je vous dirais volontiers d'entrer, mais tout est en désordre. Non, merci beaucoup. Il est tard. Vous êtes sûr qu'il n'y a pas de problème? Oui, aucun. Oh, Kelly! Oh, quel plaisir de vous voir. Bonsoir, madame. Oh, une plante. Oh, comme c'est gentil. Je crains, mon cher, que votre glace ne fonde. Je crains, mon cher, que votre glace ne fonde. Arrête! Arrête! Oh! Arrête! Bien joué, Squire. Je te souhaite bien du plaisir pour jouer le coup suivant. Alors, qu'est-ce que tu vas prendre comme fer? Tu vas battre ton record, mais dans le mauvais sens. Glenn, t'as vu ça? Là, tu n'en reviens pas, hein, vous-le, Glenn. Pas très brillant. Le temps devrait se maintenir au beau pendant toute la journée, comme nous vous l'avions annoncé hier. Quant à la journée de demain, elle devrait être assez semblable à celle d'aujourd'hui. En dépit de quelques passages nuageux et de légères averses, mais celle-ci serait très localisée et elle ne devrait en aucun cas affecter notre région. Bonjour, Kelly. C'est moi qui surveille le practice ce matin ou c'est vous? Je m'en occupe.
Vous devez être suffisamment fatigué. Écoutez, en ce qui concerne cette nuit... Mais vos relations avec la femme du propriétaire ne me regardent pas et ne m'intéressent pas. Je ne veux pas le savoir. Vous êtes le chef. Je voulais vous remercier pour la plante. Et je souhaitais vous inviter à dîner ce soir. Non, Roy, ce n'est pas la peine. Restons sur un plan strictement professionnel. Ah oui. Très bien. D'autant plus qu'on a besoin de vous au trou numéro 8. Quel numéro avez-vous dit ? Le 8. Ah. J'y vais. Votre attention, je vous prie, mesdames et messieurs, le cours prévu ce matin a été annulé. Il n'y avait pas assez d'inscriptions. Et qu'est-ce que ça veut dire, voyons ? Et qu'est-ce qui bloque le parcours ? Qu'est-ce qui se passe ici ? Je ne peux pas jouer tant que ce chien reste sur le parcours. Oh ! Va-t'en ! Sauve-toi ! Allez, sauve-toi ! Allez, file ! Oh, c'est pas vrai ! Allez ! Non, non, monsieur Kent, non. Il n'est pas normal. Quelqu'un a-t-il vu M. Simpkins ? Caddy ? Caddy, où est Malcolm ? Calme, faites silence, s'il vous plaît. Nous écoutons Charlie Kimmel. Merci, Norm. Nous connaissions tous et aimions tous Malcolm Simpkins. Et Dieu sait que moi aussi je suis triste de sa disparition. Et surtout d'une façon aussi sanglante, atroce et révoltante. Mais perdre notre sang-froid ne nous avancerait pas non plus. Nous avons déjà commencé à enquêter sur tous ces meurtres. Et les précautions nécessaires ont déjà été prises. Il paraît que quelqu'un a aperçu Dick Slade rôder dans les environs. C'est vrai, Dick Slade ? Je croyais qu'il avait été mis à la porte du golf. Avez-vous décidé aussi d'annuler le tournoi ? Absolument pas. Ces deux incidents sont des cas isolés et nous ne devons pas céder à la panique. Je suis d'accord, n'oublions pas qu'il s'agit d'une œuvre de charité. Absolument. Merci, Kelly. Ce tournoi réunissant des pros et des amateurs est le principal événement de l'année pour le club et rien ne pourra nous le faire annuler. Il peut nous faire une énorme publicité. N'oubliez pas qu'il sera retransmis en direct à la télévision.
Salut. Salut. Vous faites partie du personnel de l'hôpital? Dans ce cas-là, j'arrive un peu tard. Je suis un employé de la morgue. Excusez-moi de vous poser cette question, mais avez-vous une idée de l'instrument qui a pu faire ça? Monsieur, je crois en avoir vu de toutes sortes dans mon boulot. J'ai vu des mutilations, des amputations, des décapitations. Un jour, j'ai même dû aller ramasser un type qui s'était fait découper à la tronçonneuse, presque du haut jusqu'en bas. On n'imagine pas ce que ces trucs peuvent faire d'un corps humain. Mais j'avoue que je n'avais jamais rien vu d'aussi morbide. C'est vrai qu'il y avait ce type qui s'était fait prendre le bras dans une déchiqueteuse l'été dernier. Il paraît que c'était un peu dans ce style-là, mais je ne pourrais pas l'affirmer. Je m'en suis pas occupé. Il n'est pas mort. Mais ce qui m'a le plus surpris dans cette histoire, c'est ça. Vous permettez que je la garde? En fait, moi, ça ne me gêne pas. Merci. Bon, il y a un de ces jours, peut-être. On ne sait jamais. C'est de l'huile. De l'huile de Carter. 1540. Mais comment le savez-vous? Elle est épaisse. C'est ce qui s'utilise à cette époque de l'année. Mais vous n'êtes pas membre du club? Vous travaillez ici? Plus depuis très longtemps. Mais si vous me permettez, j'aimerais bien savoir... Écoutez. Surtout ne bougez pas. Entendu? Quoi? De quoi vous parlez? Vous n'avez vu personne, aucun objet, rien? Quoi, par exemple? Oh, peu importe, rentrons. Il s'est passé ces jours derniers des événements plutôt morbides. Mais écoutez, ce tournoi n'est pas une simple compétition. C'est la plus grande œuvre de charité de la saison et nous n'avons pas commencé à nous en occuper. Je crois que la première chose à faire est de classer les amateurs en fonction de leur handicap et de leur désigner un équipier professionnel, non? Que savez-vous sur Dick Slade? Vous n'avez pas écouté un mot de ce que j'ai dit. Il a bien travaillé ici. Oui, avec son père. Il a été renvoyé il y a 5 ans. Renvoyé? Pourquoi?
Je n'en sais rien. J'étais simple caddie à l'époque. Je pense au tournoi, Roy. Nous avons encore tout à organiser. Ça m'inquiète. Je ne sais pas si on y arrivera. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est la sécurité des golfeurs. Il faut que nous soyons beaucoup plus vigilants. Bon, bah, occupons-nous de ce qui vous inquiète. J'ai besoin de vous. Décontractez-vous là. Et frappez. Bonjour, monsieur Kent. Vous voulez des framboises? Les gens qui se sont inscrits sont présents? Oui, oui. Il ne manque que Monsieur Simpkins. Oui, bien sûr. Voulez-vous que nous fassions une minute de silence? Oh non, non, on commence la leçon. Ah oui, ah, oui, oui, la leçon, hein, très bien, pas oui. Aujourd'hui, la leçon portera sur les bois. Ce qui importe lorsqu'on utilise un bois, c'est surtout la fin du geste. Je vais vous montrer. Ça paraît facile, hein? Oui, oh, seulement, oui, ça n'est pas. Ah oui, ça n'est pas. Joli. Ce qui est essentiel, c'est que vous gardiez le bras bien en ligne après la frappe. Les bras doivent rester bien en ligne dans la direction que vous avez donnée à la balle. Ah, oui, je comprends. Ah, pas moi. Il faut continuer à maintenir le club fermement après la balle. Vous voulez pas nous montrer quelque chose? Non, non, c'est Mademoiselle Lange qui donne la leçon. Même un bon joueur peut prendre de mauvaises habitudes. Et dans ce cas, il devient très difficile de s'en débarrasser. Je vais vous montrer. Si le joueur baisse trop l'épaule lorsqu'il frappe la balle, comme ceci. Il manque de direction. De même s'il plie les bras en fin de geste. Et toujours, toujours, gardez la tête immobile. Jusqu'au moment où le club vient frapper la balle. Un autre détail important est de garder les bras bien tendus et de bien se concentrer. Tous les golfeurs ont un tic lorsqu'ils font un drive. C'est tout à fait logique. Ce qu'il faut dans ce cas-là, c'est toujours en revenir au principe de base. Bien traverser la balle, la tête immobile et le plus important, la concentration. Mais excusez-moi, qu'est-ce qu'on fait si on frappe aussi dans le tee? Dans le tee, mais je croyais qu'il ne fallait pas frapper dans le tee, moi. Mais c'est pas le but du jeu. Je sais, mais si ça arrive. Pardon? Je comprends pas très bien. Eh bien, vous posez la balle sur le tee, vous vous concentrez, vous frappez et vous regardez à nouveau par terre. Et votre tee est parti avec. Version du massacre à la tronçonneuse. De toute évidence, la situation s'avère un peu plus délicate que je ne l'avais cru au départ. Mais cela ne signifie pas pour autant que nous n'avons pas les choses bien en main. Charlie? Après cet horrible acte de barbarie, nous savons désormais à qui nous avons affaire. Il s'agit d'un malade mental utilisant quelque instrument mécanique dans le but de mutiler sa victime. Et pourquoi ce serait pas Dick Sled? Il s'y connaît en moteur et on l'a vu à nouveau traîner sur le parcours. Mais toutes
toutes les pistes seront suivies. Ce dont j'ai besoin, ce sont des volontaires, des gens obéissant aux ordres et capables de garder leur sang-froid en toutes circonstances. Des gens à qui je donnerai le grade d'adjoint pour faire une chasse à l'homme et arrêter ce fou. Nous allons être obligés de fermer le parcours. Non, absolument pas. Non. Ce que je veux dire, c'est que grâce aux résultats rapides et positifs de cette chasse à l'homme, les activités reprendront très vite sur le parcours de notre club. Exact, chef Kimmel? Ah, c'est exact, non. Parfait. Ce sera le mot de la fin de cette réunion. Et moi qui vous faisais totalement confiance. Je regrette de ne pas avoir cru à ce que vous me disiez. Non, je ne vous en veux pas. Il y a vraiment des choses difficiles à croire. Vous pensez que cette chasse va donner des résultats? Ça risque de bien vite dégénérer. Sérieux, vous n'allez quand même pas laisser faire tous ces fous. Ils vont finir par tuer quelqu'un. Vous voulez rire? Eux au moins ont cette abnégation qui nous manque tant. Ces hommes ont l'esprit d'équipe et ils vont nous débarrasser de ce malade mental. Ce maniaque, je m'en charge. Non, je me le garde. Parfait, messieurs. Levez tous la main droite et répétez après moi. 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 Votre nom. Votre nom. Je jure solennellement de respecter la loi dans son intégralité. Je jure solennellement de respecter la loi dans son intégralité. Messieurs, je peux vous dire que je suis fier de vous. Je vais l'obliger à sortir, moi, c'est tordu. Vous vous rendez compte des conséquences de votre geste? Roy! Empêche-le de taper! Mais j'essaie, tu vois bien! Lyle! Mais termine! Lyle! Lyle! Arrêtez tout de suite! Pourquoi tu t'en vas? Je vais les tirer! Le parcours, monsieur Kent. Regardez dans quel état ils l'ont mis! Boris, servez-moi un autre. Et oui, les mauvaises habitudes sont difficiles à perdre. En tout cas, pour moi, elles le sont. Comment vous avez commencé ? Je me suis réveillé un matin et j'ai pris conscience que ma vie consistait à envoyer des petites balles blanches dans des petits trous verts. Je ne pensais pas qu'un jour je serais moins bon.
Et c'est là que vous avez commencé à boire. Je ne sais pas. Je crois que j'ai toujours bu. J'ai fini par y être meilleur que je ne le suis au golf. C'est sans doute tellement plus facile. Tout ça paraît invraisemblable, non? Oui. Ils finiront par le trouver, vous ne croyez pas? Monsieur Kent! Monsieur Kent, ils l'ont attrapé! Leland et son groupe l'ont trouvé près du 17! Quand on a eu l'idée de regarder dans les broussailles. Et c'est là-dedans qu'on l'a trouvé, avec ça. Il était penché sur la tondeuse. Il devait essayer de la mettre en marche pour tuer encore d'autres gens. Vous êtes vraiment débile. Non, mais vous croyez sérieusement que c'est moi? Vous croyez que cette tondeuse pourrait faire autant de dégâts? Sa largeur de ton témoin du tiers de celle dont vous avez vu la trace dans les champs. Amenez-le ici et lisez-lui ses droits, à haute voix. Croyez-moi, vous le regretterez. Vous la regretterez, votre erreur. Je souhaite exprimer ma gratitude la plus sincère à l'égard de ces hommes courageux qui ont osé risquer leur vie pour mettre un terme à cette horrible menace. Maintenant que cette effroyable épreuve n'est plus qu'un souvenir, la vie peut reprendre son cours sur les greens du Tallgrass Club. On va le conduire au poste pour l'interroger, si vous voulez écouter ce qu'il a à nous dire. Roy, c'est formidable, il est enfin arrêté. Roy, Kent. Mon mari vous faisait tellement confiance. Il était si heureux lorsqu'il a appris que vous étiez le nouveau professionnel attaché au club. Il pensait que vous alliez corriger son drive. Et vous l'avez laissé partir tout seul. Qu'est-ce que je vais devenir? Et que va devenir le pauvre Cathy? Je voulais simplement que vous le sachiez. Je vous jure, on croit rêver. Non, mais venez, écoutez ça, là. Bon, reprenons les choses au point de départ. Vous niez avoir tué ces gens. Oui, je nie. Et vous dites que quelqu'un d'autre les a tués. Non. Ah oui, pardon, vous dites que personne n'a tué ces gens. Que c'est une faucheuse qui fait ça toute seule, exact? C'est bien ce que j'ai dit. Ce type est complètement givré. Ah, je veux voir la tête des jurés en entendant ça, moi. Alors, monsieur Slade, vous ne croyez pas qu'attribuer ces crimes à une faucheuse est tout de même un peu ridicule? C'est pas sûr. J'ai vu des machines se comporter de façon bizarre. L'homme les construit, les répare, les nettoie. Il compte sur elles, mais elles ne sont pas parfaites. On connaît des tas d'histoires de machines qui n'ont pas fait ce qu'on leur demandait. Un rasoir électrique avec une grille de sécurité qui, sans raison, vous coupe et vous fait saigner. On fait une inspection en détail d'un gros avion de transport, mais il perd un de ses moteurs au moment où il s'envole dans le ciel. Ça arrive plus souvent qu'on ne croit.
et de façon plus ou moins grave. C'est pas très surprenant. Mon Dieu! Un malade mental. T'as tout enregistré, que? Vous pensez? C'est un dingue. Y a aucun doute là-dessus. Et qu'est-ce que vous faisiez là-bas exactement? Je la guettais. Vous la guettiez? C'est exact. Je suis le seul capable de l'arrêter. Non mais il nous prend pour des imbéciles. Non mais j'en ai assez de l'entendre raconter ces histoires à dormir debout. Incroyable. Enfin, je suis bien content que tout ça soit fini. On va enfin pouvoir s'occuper de nos affaires. Dès le début, j'ai su qu'il réussirait à l'avoir. Je trouve ça triste pour Dick. Il paraît qu'il est devenu bizarre, la mort de son père. Je suis quand même heureuse que ce soit fini. Nous allons pouvoir nous consacrer au tournoi. C'est pour demain, n'oubliez pas. Si nous faisions partir les équipes à un quart d'heure d'intervalle, tout devrait bien se passer. Vous avez déjà joué avec certains de ces professionnels. Vous me direz quelle est leur valeur? Oui, bien sûr. Roy, vous n'avez pas écouté ce que j'ai dit. Roy. Roy. Allons, tout est fini. Ils l'ont attrapé. Non, je n'en suis pas si sûr que ça. Ne me dites pas qu'il y aurait plusieurs fous capables d'attaquer les gens avec une faucheuse. Il n'y a rien de logique dans tout ça. Les traces repérées dans les champs sont trois fois plus larges que celles de la tondeuse de Dick Slade. Roy, vous n'allez pas me dire que vous le croyez. Et pourquoi pas? C'est insensé. Oui, peut-être que j'ai tort. Mais vous accepteriez, vous, d'envoyer demain des gens sur le parcours sans avoir pris toutes vos précautions? Non. Non. Mais je vois pas ce qu'on pourrait faire d'autre. Je ne vois qu'un moyen. On n'a pas le droit de faire une chose pareille. Il fallait au moins demander l'autorisation à Lyle. Oui, je tiens à ce que cela reste entre vous et moi. Qu'est-ce que vous cherchez, en fin de compte? Si j'ai raison, il n'y a à l'intérieur de ce sac que de l'herbe. Et si vous avez tort? Dans ce cas, nous n'aurons plus de raison d'être inquiets. Faites attention. Mieux vaut que vous ne regardiez pas. Qu'est-ce que ça signifie? Que le tueur est toujours en liberté. Mais alors c'est qui? J'en sais rien, Kelly. Je suis dépassé par cette histoire. Mais rien ne prouve que tout soit terminé. Il va falloir annuler la compétition. Oh, mon Dieu! Bah alors, c'était pas si grave. Non, non! Je pensais au bonheur. Si ce que vous dites est vrai, ils sont en danger. Enfin, de quoi me parlez-vous? Ils ont été les seuls à se rendre sur le parcours après que M. Osgood ait décidé de le réouvrir cet après-midi. Et vous les avez vus partir? Oui, je leur ai dit bonjour. Et vous les avez vus revenir? Non. Thank you.
pas. Ouais. Connaissant Dan et Connie, ils avaient un peu trop bu hier soir. Ils se sont égarés dans les bois et ils doivent dormir quelque part avec une bonne gueule de bois. Ils n'étaient pas ivres lorsque je les ai vus partir. Écoutez-moi bien, je commence à me lasser de votre paranoïa. Cette affaire est réglée. Il est en prison et sa tondeuse est enfermée dans le garage. Mais ce n'est pas cette tondeuse-là. En ce qui me concerne, c'est bien de cette tondeuse qu'il s'agit. Et c'est d'ailleurs l'avis de tout le monde ici. Je ne peux pas croire que vous preniez au sérieux les divagations de ce fou. Vous imaginez une faucheuse avançant toute seule? Alors vous n'annulez pas la compétition? L'annuler? Ah non, alors. C'est ça votre idée à tous les deux? Me faire fermer boutique? Donnez-nous au moins des guetteurs. Quoi? Des guetteurs, des gens placés sur... Non, vous voulez faire peur à tout le monde? Je vous en prie, Norm. Bon, ça va, ça va. Vous les aurez, vos guetteurs. Mais si j'entends parler du moindre incident à cause de ces gens-là, ou de vous deux, vous ne l'emporterez pas au paradis. Encore autre chose. Quand la compétition sera finie, je tiens à avoir une discussion sérieuse en tête à tête avec chacun d'entre vous. Nous parlerons de votre avenir ici, au club. Et maintenant, d'ici environ 2 heures, nous allons assister à la plus belle compétition qui ait jamais eu lieu sur ce parcours. Et n'oubliez pas que nous passons à la télévision, Roy. Mesdames, messieurs, bonjour. Ici Sonny B. Fagan. J'ai le plaisir d'assurer le reportage ici même au club de Tallgrass à l'occasion de son 13e tournoi de golf sur invitation. Quelques-uns des plus prestigieux golfeurs sont présents et vont participer à cette magnifique œuvre de charité. Et nous sommes fiers de pouvoir vous présenter l'ensemble de la compétition qui va se dérouler aujourd'hui en direct. En ce moment même, le premier groupe s'apprête à attaquer le trou numéro 1. Allons les rejoindre là-bas, voulez-vous? Le deuxième groupe, c'est-à-dire Mademoiselle Kelly Lange, Monsieur James Mann, Reginald Putman et Squire Evans, est prié de se rendre au départ. Vous m'entendez? Vous m'entendez? 1, 2, 3. Je vous reçois 5 sur 5. Et vous? Très bien. Bon, écoutez, vous partez juste derrière le premier groupe. Assurez-vous de la présence des guetteurs. Il y en a un à chaque trou. Parfait. Qui sont-ils? C'est ce que j'ai pu trouver de mieux. C'est l'équipe des caddies. On peut compter sur eux, soyez-en sûrs. Comment vous allez? Je boirais bien un verre. Oui, moi aussi. Mais je vais essayer d'éviter aujourd'hui. Je vous souhaite bonne chance. Merci. À vous aussi. Merci. Le deuxième groupe vient de partir à l'instant. Et Kelly Lange, qui est l'adjointe du professeur, a fait le meilleur drive en plein sur le fairway. En revanche, un de ses équipiers, Squire Evans, est dans une très mauvaise position. Sur son drive de départ, sa balle allait se loger dans le rough. J'en suis ravi, Squire. Tu es déjà hors du coup. Jeff! Tu m'entends, Jeff?
Bien reçu, monsieur Kent. Je vous reçois 5 sur 5. Parfait, Jeff. Mais sois gentil pour diminuer de volume. Alors, comment ça se passe? Bien, monsieur. Le premier groupe est sur le point de finir son parcours. J'ai la situation bien en main. Parfait. Continue à ouvrir l'œil. Oui, monsieur. On nous signale que Kenny Lange a pris la tête avec son coéquipier amateur. Mais nombre d'excellents joueurs n'ont pas encore entamé leur parcours. Messieurs Harold, McDougall, George Weiss, Roy Kent et Madame Beatrice Osgood sont priés de se présenter au départ. Bonjour, bel étranger. Je ne vous ai pas vu depuis bien longtemps. Bonjour, Béatrice. Je me réjouis à l'avance de disputer cette compétition. On dit que toute victoire mérite récompense. Je tiens beaucoup à cette victoire. Mesdames, messieurs, ici Sonny Bayfag. J'ai le plaisir d'assurer le reportage ici même au club de Tour-de-Grâce à l'occasion de ce troisième tournoi de golf sur invitation. Quelques-uns des plus prestigieux golfeurs sont présents et ont participé à cette magnifique œuvre de charité. Et nous sommes fiers de pouvoir vous présenter ça va être partagé. Qui va se dérouler aujourd'hui en direct. En ce moment même, le premier groupe s'apprête à attaquer le tour numéro 1. Alors, on les rejoint là-bas. Pas évident. Pardon? Le coup n'était pas évident. Sur ce green, il y a beaucoup de pentes sur la gauche. Je m'occupe du parcours. Birdie, tu m'entends? Oui, c'est Birdie. Comment ça se passe dans ton coin? Tout va bien, monsieur. Rien à signaler. Parfait. John, comment ça se passe? Je suis au trou numéro 3. Quelqu'un vient de réussir un très joli putt. Bon, écoutez-moi bien tous. Pas question de relâcher votre attention une minute tant que la compétition ne sera pas terminée. Nous sommes au 18e trou afin de voir la première équipe de golfeurs achever son parcours. Nous sommes heureux d'y retrouver Norman Osgood, le propriétaire de Tallgrass et le chef de la police, Charlie Kimmel. Messieurs, il semble qu'un doute a plané concernant le maintien de la compétition d'aujourd'hui. Il n'y a jamais eu le moindre doute. Pas avec les efforts consentis par notre brigade de police sous la houlette de Charlie ici présent. Ah. Merci, Norman. Je suis ravi de pouvoir annoncer que nous en avons fini avec ces attaques dramatiques et invraisemblables à l'encontre des membres du club. Merci infiniment, messieurs. Vos commentaires sont tout ce qu'il y a de plus réconfortant. Et nous nous dirigeons maintenant vers le 17e trou très important, où le deuxième groupe attend que Squire Evans finisse ce trou. Le pauvre Squire aura été malheureux dans ses drives tout au long de la journée. Il faut beaucoup de talent et un pouvoir de concentration hors du commun à un golfeur pour parvenir à surmonter la malchance. Surtout lorsque celle-ci s'entête à le poursuivre tout au long du parcours. Essayons de retrouver Squire Evans afin d'admirer sa technique. Squire Evans vient miraculeusement de réussir à revenir sur le fairway. Il semble donc que la balle n'était pas allée trop profondément dans les bois. Tu parles? Mais Kelly, qu'est-ce qui ne va pas? Non, ça va, je voulais juste vous dire que nous avons presque fini le 18e trou. Je fais quoi ensuite? Restez là en attendant que j'arrive. Très bien. Comment ça se passe pour vous? Moyen. Béatrice est loin d'être la coéquipière idéale. J'en ai autant à votre service avec Squire Evans. Tout semble si calme. Peut-être qu'après tout, c'était bien Dick Slade. Peut-être. Bonne chance sur le dernier trou. Enfin, qu'est-ce que vous faites? Vous ne pouvez pas vous passer d'elle? Mais la question n'est pas là. Il s'agit de votre sécurité. Quoi? Qu'est-ce que vous me racontez, Roy? Je ne comprends rien. Roy, vous n'écoutez même pas ce que je vous dis. Qu'est-ce que vous faites avec cet appareil? Pourquoi? Enfin, qu'est-ce qui se passe? Je fais ça tous les samedis matin, monsieur. Roy! Oui, j'écoute. Ici John, au 17e trou. J'entends quelque chose comme un bruit de moteur. On va essayer de joindre Kelly, elle est au 18e. J'ai essayé, elle ne répond pas. La
Kelly Lange, après avoir fait son plus mauvais coup de la journée, est en train de se concentrer au maximum afin de refaire son retard. Non, descendez bien. Je ne peux pas vous laisser. Le parcours de golf m'appartient. Je viens avec vous. Très bien, comme il vous plaira. Jusqu'à présent, Squire Evans a réussi à se sortir des situations les plus difficiles. Mais il va falloir un miracle pour qu'il réussisse ce coup. Ça, je demande à voir. Kelly va peut-être pour la victoire. Autour du green, du 18e trou, on pourrait entendre voler une mouche. Nous vivons un moment d'une très grande intensité. Kelly Lange a la possibilité de faire prendre la tête à son équipe si elle réussit ce putt. Avant le début de la compétition, j'ai eu la chance de pouvoir bavarder quelques instants avec Kelly. Elle m'a dit qu'elle n'aimait pas être en tête dans un tournoi, parce que dans ce cas, la pression était trop forte à supporter. La voilà donc en position de challenger, et plus à même de réussir un joli coup. Le silence est extraordinaire. Pas un bruit, pas un souffle. Le public est en parfaite symbiose avec Kelly et veut l'aider à bien se concentrer. On dit que la concentration est à 90% dans la réussite d'une compétition de golf, croyez-moi. En ce moment même, Kelly est à 110%. Elle frappe, la direction semble bonne, c'est gagné! Kelly Lange vient de prendre la tête! Et que se passe-t-il? Squire Evans vient de réussir un coup miraculeux en entrant directement alors qu'il était dans un bunker. Fabuleux! Squire, sans doute un peu trop anxieux, n'a même pas attendu pour jouer que les autres aient évacué le green. Mais comment le mieux c'est décidément une ordure. Depuis le début, ce coup exceptionnel permet à Squire Evans de devancer Kelly Lange d'un seul petit point et de prendre la tête de la compétition. Kelly, Kelly, vous m'entendez? C'est Kelly. Pourquoi ne répondez-vous pas? On m'a signalé un bruit de moteur près de l'endroit où vous êtes. Où ça? Deux, resserre un peu. Oh non! Mais ça recommence! Enfin, voyons, mais faites quelque chose! Ça n'est pas de la compétence. Il a toujours triché. Tout le monde court dans tous les sens. Vous allez pouvoir me libérer. Yes, yes, you have normal life, good. No, no, we're not giving an interview. No, we haven't had a problem. Hold on one second. Oui, c'est bien moi. Non, inutile de crier dans ce téléphone. Non, c'est vous qui allez m'écouter. Je vous l'ai dit, je vous ai dit pas d'interview et il n'y aura pas d'interview. Non, nous n'avons aucun problème. Et qui vous a raconté ça? Quoi? Non, je me fiche de ce qu'on a pu vous dire. C'est totalement faux. Ne quittez pas. Je ne veux pas le savoir. Je ne veux pas qu'on raconte des histoires à dormir debout. Comment ça va? Je suis désolé, Roy, c'est ma faute. Si j'avais gardé mes écouteurs... Non, je vous en prie. Il aurait fallu annuler le tournoi. Et à partir du moment où il avait lieu, on ne pouvait rien faire de plus. Aucun commentaire, un point, c'est tout. Vous devez faire libérer Dick Slade. Quoi? Je ne peux pas faire ça, c'est un fou. Demandez à Evans ce qu'il en pense. Je ne peux plus le lui demander, mais... Je crains que vous n'ayez plus le choix.
Allez, passez-moi le chef Kimmel. Charlie, il n'y a plus de raison, madame, vous. De laisser Slade en prison. Non, il n'en est pas question. Oui. Vous n'êtes pas en état de m'accompagner. Roy. Je vous en fais cadeau. Parfait. Allons-y. Roy, le club compte sur vous. C'est ce qu'on peut appeler un tournoi mouvementé. J'ai eu la chance de voir ça à la télé. Dans mon palace entouré de barons. Et nous avons commis une erreur. Et vous avez dit que vous pouviez l'arrêter. Ça m'intéresse plus. Je peux vous obtenir 10 000 dollars. 20 000. Vous savez, j'ai comme l'impression... qu'on n'a pas dû distribuer tellement de récompenses aujourd'hui. D'accord. Jason ? Oui. On a du boulot. Allons-y. Je viens avec vous. J'insiste. Après tout, Jason ne servirait pas à grand-chose. Allez vous préparer. Et moi, qu'est-ce que je dois emporter? Vous, mademoiselle? Mademoiselle, disons que le mieux, ce serait un mouchoir. Comme ça, vous pourrez nous dire au revoir. Non, écoutez. Non, non, c'est vous qui m'écoutez. C'est moi qui donne les ordres. Ça ne va pas être une partie de plaisir. Et c'est hors de question qu'on emmène une femme. Écoutez-moi, tête de mule! Ne croyez pas que parce que je suis une femme, je risque d'avoir peur. Bien au contraire. Ah oui, vous n'avez pas peur. Vous êtes folle. Oui, je suis folle. Parfait. Il n'en reste plus qu'à se préparer pour la partie de campagne. Jason! Oui, mon petit, bien sûr. Vous pouvez venir. Vous êtes tellement joli. Jason, toi, tu restes ici. Oui, d'accord. Allez, grand chef, allez mettre tout ça à l'arrière de la camionnette. Il y a un râtelier. Jason vous montrera où il est. Ah, et surtout, vérifiez que tout est bien attaché. Ils sont tous chargés. Alors ne les maniez pas comme si c'était des clubs de golf. Parce que ça peut faire de vilains petits trous. Hé, hey, mon petit! Approchez, approchez, mon petit! Qu'est-ce que c'est? Des explosifs qui me restent de la guerre. Ne les flanquez pas par terre, surtout. Vietnam? Non, non, Corée. Portez tout ça à la camionnette et mettez-le derrière le siège du passager. Délicatement. Après ça, vous reviendrez chercher les grenades.
Tout ça a l'air d'une plaisanterie. Qu'est-ce qu'il y a, petit bonhomme? Il y a les nerfs qui lâchent. Allez, les pêchons, arrivez bientôt. On va pas y passer la nuit. Attachez-moi bien ces armes, grand chef. Mais oui, bien sûr. Hé, délicatement, comme si c'était un bébé. Allez, si vous voulez aider Jason, allez prendre ses bottes de foin et chargerez sur la galerie. Comment, des ballons? Du foin? Ça ressemble en effet à une partie de campagne. Vous ne vous rendez toujours pas compte de ce qui nous attend. Oui, je sais, vous l'avez vu en action, mais vous ne savez toujours pas comment elle fonctionne. Moi, si. Si vous ne voulez pas vous retrouver découpé comme des rondelles de saucisson, vous avez intérêt à m'écouter. Allez-y. Chargez le foin. Laissez les ballons ici, que je les trouve facilement. Il n'y aura pas de temps à perdre. On part dans 10 minutes. Jason, le foin, on se dépêche. Ah, fermez les portes arrière. Allez, on s'en va. Qu'est-ce que vous faites? Vous espérez le tuer à coup de club de golf? Non, ça me porte chance. Je pensais que vous auriez changé d'avis. Je ne manquerai ça pour rien au monde, Dick. Vous aviez oublié votre sac? Non, quelque chose m'est revenu à l'esprit. C'est le moment. Une fois qu'on sera là-bas, plus question de repartir. Il y a de l'alcool dans ce camion? Faudra d'abord le mériter. Allons-y. Je suis prêt. Roy, grimpez sur le toit. Pourquoi? Et à chaque trou, accrochez un ballon à une botte de foin et balancez-la. Un ballon? D'accord. Dick, la faucheuse est arrivée près du 18e trou. C'est sans doute le meilleur endroit où l'atteindre. S'il y a du foin en plus, jetez-le entre les trous. Compris. C'est là qu'elle était. Elle n'y sera plus, ce coup-là. Comment le savez-vous? Une idée comme ça. Vous êtes un homme d'action. Ça dépend.
Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Demi-tour. On va vérifier nos appâts. Elle est passée par là. Elle n'est pas loin. Quoi? On va voir si elle mord. Dommage que le tournoi ait été interrompu. Vous sembliez avoir retrouvé la forme. Oui, je me sentais plutôt bien. Je suis désolée que ce soit si mal passé entre nous. Nous essayons de le conduire en professionnel. Ce n'est pas une excuse. Moi, je n'ai même pas essayé. Je suis sans doute arrivé au mauvais moment. Qu'est-ce qu'il y a? Résumé de nos forces. Je vous ai prévenu avant qu'on commence. Maintenant, c'est trop tard. Il faut aller jusqu'au bout. Dites-moi, pourquoi cette faucheuse fait-elle tout ça? Oh, c'est une très longue histoire. Elle appartenait à mon père. Mon père et moi, on travaillait sur ces terres. Il a été le responsable de l'entretien ici pendant 25 ans. C'est un type fier, têtu, mon père. Il était consciencieux dans son travail. Ça, c'était sa machine préférée. Et pendant plus de 20 ans, il s'en est servi presque tous les jours. Il la bichonnait, l'huilait, la nettoyait. Il lui consacra toute sa vie. Et puis un jour, la direction a acheté deux nouvelles machines. Des machines japonaises. Alors c'est vrai, elles avaient un diamètre plus important, mais mon père n'en voulait pas. Il a refusé. Il a dit qu'il ne voulait pas en changer. Alors on l'a mis à la porte. 25 ans de bons et loyaux services et viré comme un malpropre. Et le lendemain, je suis passé le voir. Je voulais l'aider à mettre de l'ordre dans le garage. C'est là que je l'ai retrouvé. D'abord, j'ai cru qu'il était en train de nettoyer le dessous de la faucheuse une dernière fois. Je me suis avancé vers lui doucement. Je lui ai donné une petite tape sur l'épaule. Et son corps a roulé lentement sur le côté. Comme s'il s'écartait de la machine. Et ce que j'ai vu était monstrueux. Sa tête avait été coupée nette du reste de son corps. On a parlé de suicide. Mais j'ai toujours refusé de l'admettre. Et la faucheuse, qu'est-elle devenue? Ils l'ont embarquée. Et je ne l'ai plus jamais revue. Jusqu'à aujourd'hui. Vous espérez la détruire? Allumez les phares. Et
On devrait peut-être faire le guet, non? C'est pas la peine. On l'entendra revenir. On a un petit problème. On a un pneu crevé. La roue de secours est à l'arrière avec le criquet et la manivelle. Laissez-moi faire. Je vais changer le pneu. Quelle idée! Je ne suis pas venue ici pour me contenter de jouer les spectatrices. Je suis capable de changer un pneu aussi bien que lui. Je compte sur lui pour conduire le camion et sur vous pour nous débarrasser de cette horreur, si vous en êtes capable. Comme vous voudrez, petit chou. Il y a ce qu'il faut à l'arrière du camion. L'un d'entre nous devrait surveiller de là-haut. Bonne idée. Vous ne voulez vraiment pas un coup de main, petit chou? Bon, je vais l'aider. Vous restez où vous êtes. Elle peut très bien s'en sortir toute seule. Vous avez intérêt à vous dépêcher. Ça vous amuse tant que ça de vous moquer de moi? Là, il ne plaisante pas, Kelly. Dépêchez-vous! Si j'avais pas été là. Suivez les ballons. Mais ça va pas, donc qu'est-ce qui vous prend? Calmez-vous. On n'aurait jamais pu la suivre. Ça comme ça. Alors, vous êtes capable de tuer cette machine ou non? On va pas tarder à le savoir. Pourquoi? Vous avez peur? Oui. Oui, j'ai peur. Alors, c'est que vous n'êtes pas aussi folle que je le croyais. C'est normal d'avoir peur. Cette machine... qui existe. Mais je finirai bien par la voir. Bon, je n'arrive plus à démarrer. Roy! Oui? Allez-y, essayez! Arrêtez, arrêtez tout! Bon, recommencez!
Qu'est-ce que c'est? Ah, on a tracé le joint de culasse, il n'y a plus de compression. Et ça peut se réparer? Bien sûr que non. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Oh, arrêtez de me poser des questions, comme si j'avais réponse à tout. Vous êtes quand même mécanicien, non? On devrait essayer de rentrer. Ah, eh ben allez-y si vous voulez. Je vous écoute, Kelly. C'est quoi l'idée dont vous parliez tout à l'heure? Quelle idée? Ça? Non, mais je rêve. Oubliez ce que je vous ai dit. Si on arrivait à en mettre dans le réservoir, ça pourrait l'arrêter. Oh. Et comment pensez-vous vous y prendre? J'ai ma petite idée. Allez, amène-toi, saleté. C'est l'heure de ton dîner. Oh mon Dieu! La voilà qui revient! Allez, viens. On va voir si t'es capable de rattraper ton dîner. Mais vite, Nick, mais vite! Vite, dépêchez-vous! Vite! Montez dans le camion! Je vais monter sur le toit. D'accord. Roy, vous feriez mieux de monter me rejoindre. Thank you.
Dépêchez-vous! Give us a brief account of what has happened. Thank you, Sonny. I am happy to report that the mauling, munching marauder that terrorized our private members in recent days has been destroyed. I just want to give my heartfelt thanks to our two resident golf professionals. Had I not been required to be the Grand Marshal of the recent NRA parade, I would have joined them in heated battle myself. Nevertheless, they, who followed a detailed and thorough plan of attack orchestrated by myself, did wage a successful war against this mechanical menace. Unfortunately, we lost a brave compatriot in this skirmish. I want to tell you, Sonny, God knows I'm going to miss that courageous, but somewhat strange and misunderstood man. I never met anyone who stood as tall and as proud as Deke once did before he ventured into this outing. Sonny, I'd like to ask everyone for a moment of silence for this man at this time. Of course. Now, with these hideous, horrific, and horrendous events behind us, I'm sure my good friend Norman Osgood would like to remind each and every one of you that it's back to business as usual at the Tallgrass Country Club. Norm himself would be here right now, but he's on extended retreat with his lovely wife, Beatrice. She's undergoing some experimental therapy, and I'm delighted to say that the early neurologic reports are extremely encouraging. Also, I'm sure Norm would also remind you of next month's election, where, of course, I will be running as candidate. Oh, thank you very much. Your comments were most valuable. Marty! What? I can't hear you. This one peaceful and quiet golf course so rudely violated these last few days has now returned to its innocent tranquility. Back to you in the studio. Thank you, Sonny, for that. Thank you.